Voilà, bonjour les copains, ouais, j'ai démarré le live. Voilà, je réponds à pas mal de choses en même temps. On essaie de gérer comme on peut. On se retrouve les copains pour une petite découverte. J'ai attendu quelques heures avant de lancer le live. J'avais déjà accès à quelques bagnoles. À quelques bagnoles, mais par contre, je n'avais pas accès, comment dire, à l'ensemble des circuits. Donc, je trouvais ça dommage, moi personnellement, de vous faire un live sur le nouveau contenu de iRacing, essentiellement bien sûr sur le rallycross. Après, il y a une petite nouveauté ou deux intra-game qui sont pas mal, notamment au niveau de la NASCAR et de l'animation du pit crew qui est juste fabuleuse. Voilà, donc on va attendre quelques petites minutes, je pense, avant de lancer. On va commencer par, là, vous voyez, hein, j'ai pris la Fiesta WRX, et puis bien sûr iRacing en VR. Et puis on va essayer de finir du pied droit, ça va pas être évident, mais on va voir ce qu'on peut faire, parce que le pied gauche, j'ai fait quelques petits tests hors caméra, c'est délicat encore pour les freinages. Donc on va prendre le Daytona, voilà, les circuits n'étaient pas dispo. Donc on va prendre le rallycross long pour commencer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La session va se passer comment? On va tourner un peu en VR. À la fin de la session, je vais sortir. Et si vous avez des questions, attendez tout simplement la fin de la. Ah, j'ai l'impression qu'on me voit pas là où je rêve. Merde. Je rêve ou on me voit pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, là comme ça on me voit, c'est mieux. Oh là là, les soucis techniques en ce moment, c'est vraiment un peu la galère. Donc bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Il y a un petit peu de monde. Ok. Allez, ma foi, on va aller tester donc la Ford Fiesta RS WRC sur la piste de Daytona circa 2007. Et comme dit à la fin du petit test, eh ben on va aller, comment dire, on va aller discuter un petit peu avant d'essayer la New Beetle, parce que la New Beetle, ça y est, je l'ai remarqué, elle était dispo. On va charger ça. On va charger ça. Oui, je vais utiliser la VR. Alors. Oh, c'est sympa ce. Comme ça. Comme ça, vous voyez bien. C'est joli. C'est joli cette petite roue de chargement. C'est joli. La belle jante là. Alors. Allez, merde. On va juste couper le son du stream. Voilà, allez. On va mettre le casque. Et on va aller têter la bestiole. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Alors, ouais, Daytona. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut voir en blime ce que ça donne. Ah, mais je peux pas y aller, là. Normal. Ok. Ok. Alors. Oh bah c'est joli hein, dedans, mes mains sont jolies aussi. Alors le volant, un volant driven, c'est pas mal. La colonne direction qui tourne, tous les câblages, les pieds, le pédalier. Pédalier Tilton à mon avis, ouais, un Tilton ça. La boîte séquentielle, le premier là, celui-là. Le frein à main à côté, hydraulique. Ouais c'est... C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Allez, on va démarrer. Alors, attends, avant de démarrer, je voulais un peu voir la gueule de la bagnole. Vous la montrez, la bestiole. Alors, la bagnole, comment ils l'ont faite, la bagnole? Ça soulève, hein. Ça se soulève.
Ça soulève. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je vais faire ça vite fait. Coco, on fera ça après. Allez. Allez, allez, la voiture. Elle est pas mal, elle est bien, bien jolie. Qu'est-ce qu'on pouvait regarder là? En ose. Merde, pas en ose. Je voulais la chaise. Ah, avec les extracteurs derrière. Ah ouais, pas mal, pas mal du tout. Pas mal du tout la petite Fiesta. Elle est bien. Merde. Quel con. On va se mettre comme ça. Voilà. Avec les suspensions, les roues. Ouais, bref, c'est une bagnole, quoi. Mais en tout cas, elle est bien jolie, j'aime bien. Elle est proprement modélisée, ça a l'air pas mal du tout. Non. Elle est où la souris? Oh. Délire. Ah. Oh, ma souris qui lague. J'ai pas débranché la souris quand même. Ah, voilà, j'ai eu un petit lag de souris, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Côté siège passager, d'accord. Ah, c'est un racing de voiture modélisé complètement, comme d'habitude. Allez, on va se mettre là comme ça, en TV2. Et on va aller rouler un peu avec cette chiotte. Donc là, ce qui est sympa, là, c'est qu'on voit la. On va être en minute, pression turbo, je pense. Le fortel, l'accélérateur donc, les freins. Alors je connais pas du tout le circuit. Ah oh, c'est excellent. Ah oh, il y a le son là-bas. Ah oh, c'est bon. Oh enculé. Oh, en VR, c'est bon. Hein. Ah ouais, là, j'ai raté complètement. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh, oh ouais, la voiture, oh j'ai rien, ah oh la vache, ah bah bien, oh. On remarquerait que. 1 minute 6.195. Oh vache, la bosse elle est chaude, d'accord. Merde. Je fais. Ah, c'est du live, hein. On prend presque aucun naufrag. Je disais tout à l'heure, j'ai essayé la même bagnole sur d'autres circuits.
Et je trouvais que le FFB n'était pas bon, mais alors là... 1 minute 2.405. Excellent. Oh, c'est énorme. Bon, allez. Allez, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller activer le frein à main parce que je ne l'ai pas fait encore. Je vais aller activer le frein à main. Option, commande, contrôle. Alors, il est où le frein à main? Handbrake, handbrake, handbrake. Il est où le frein à main? Il est où le frein à main? Il est où le frein à main? Merde, c'est dans Drive alors? Je sais plus où est le frein à main. Merde. Où est le frein à main? Oh bah merde alors. Break, portal, gearbox. Je sais plus où. Putain. Non, c'est pas là. C'est pas dans les graphiques. Là, on s'en fout. Le replay, le sound. Non, c'est dans contrôle. Black box, in-car adjustment. Merde, je sais plus où est le frein à main. Replay contrôle, on s'en fout. Handbrake, putain, je sais plus où il est, les copains, si vous vous souvenez où est le handbrake. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Là, c'est le replay. Putain, je sais plus. Black box, on s'en fout. Je ne sais plus. Big break. Bon, j'ai complètement oublié où était le frein à main. Ah, c'est abusé, je sais plus où il est. Ah, c'est dingue quand même. Merde, ah, je cale. Je cale, je sais plus où est le frein à main. Ah bah c'est couillon ça. Merde, je sais vraiment. Ah oui, il y a un break. Oh là là, mais quel quiche. Je me disais que c'était bien au niveau des contrôles au début. Allez mon garçon. Voilà, le frein à main, c'est fait. Donc voilà, hein, si vous le cherchez. Le frein à main, c'est ici, contrôle assignment. Allez, ça devrait aller beaucoup mieux comme ça. Ok. Allez, avec le frein à main. Ah ouais. Ah ouais. Oh merde. Oh oui, on va falloir s'habituer, hein. Enfin, s'habituer vraiment à tirer. C'est bon. Oh, je suis gourmand là. Tiré trop fort. Oh putain, j'ai rien touché. 50.45. Oh, cette boss, elle va être en live. Et merde. Ça va pas être évident. Ça défonce les bras. Hein. J'ai rien touché. Oh là, on ressent vraiment.
1 minute, 1.598. Oh putain! Oh. Vraiment pas évident. Un coup de raquette là dans le volant. Si on fait un bon appel contre appel, on arrivera bien à la mettre en glisse. Putain. Ah, touchette. Ouais, mais vous voyez, hein, car contact, on prend 0. Hein. Allez, allez, on passe par là. They say you cut the course. You have to slow down and give up the time gain. Ah, un peu gourmand. Ça va vraiment pas être évident, hein. Je vous promets que. Ah, du practice à faire. Allez. Des jonctions de circuit là. Oh, passer au ras comme ça. Allez. Celui-là, j'ai vraiment du mal, hein, à voir à chaque fois, putain. Ouais, je veux dire, putain, en plus, j'arrive pas à freiner. Allez, j'ai le droit. Ah ouais. Ah, les boudins qui se barrent, c'est bon ça. Ah là, j'ai la direction qui est foirée. J'ai éclaté la direction. Allez, on va essayer la Nubitel. Ah ouais, on va se regarder le replay, les petites images sympas là. Ouais, sauvegarder. On va sauvegarder ce
Petit replay. Ouais, sauvegarder, je saurai ce que j'ai. Ah bah écoutez, c'est... Attendez, je vais sortir de là. Clac. Oh, quoique, on va se mettre en... On va se mettre en quoi? En rare chaise. On va reculer là un peu pour voir la bosse. Ah ouais, la voiture elle est défoncée là. Oh vache. Là. Hop, là. Très bonne sensation de conduite, hein. Vraiment pas évidente. Excellent le saut. Ah, c'est vraiment bon, hein. Ah, et ce saut, le tournant là, là. Là, les jonctions, là, quand on repasse sur l'asphalte. On a une belle déformation du pneu. Une sortie, là, qui est difficile, à mon goût. Ah, les boudins qui volent. Ah ouais, par contre, la voiture... pare-chocs qui vole aussi, hein. Ah, c'est bien ressenti. Ça, allez. Oh, bah vite. Ah, c'est bon ça. Bon, j'ai pas livré pour l'instant sa bagnole. Bien déformé. Alors, on va quitter. On va voir un peu ce qui se raconte sur le live. Alors, qui c'est qu'il y a? Il y a du monde. Il y a du monde. Salut Anfan, Galaxy, salut Denis, salut Benji, Nicolas Delos, et tout à... Alors les copains, là honnêtement bah vous le voyez là, de toute façon je suis allé tout simplement en début d'après-midi pour télécharger, comment dire... Pour faire toute la update déjà de iRacing. Donc je suis allé sur testdriveiRacing.com tout simplement. On arrive sur cette page-là, sur quand vous êtes sur testdrive.com. Ensuite, vous, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, vous créez votre compte. Hein, quand vous arrivez ici, attendez, je vais vous le montrer. Je vais ressortir, je vais me déconnecter. Donc là, vous avez, hop, vous vous connectez. Donc hop. Voilà, mon mot de passe. Alors voilà, chose très importante, quand vous voulez vous connecter en session hors ligne, quand les serveurs de iRacing sont down, eh ben vous vous connectez ici et vous demande de créer un mot de passe provisoire, mais juste pour le testdrive.com. Donc bah vous remplissez votre mot de passe, il va vous envoyer un mail sur votre mail iRacing, et le tour est joué. Voilà, et puis quand vous êtes là, vous choisissez n'importe quelle voiture. Donc là, on a pris la Ford, bah la Ford, elle est là, c'est la Ford Fiesta RSWRC. Et la New Beetle, je l'ai vue tout à l'heure, elle est là. Alors, on va prendre la New Beetle qui est tout en bas. On va prendre un autre circuit, tiens. Alors, le circuit de rallycross. Le circuit de rallycross, j'ai mal aux pieds. Donc là, on a le rallye. Ok, on va voir s'il y en a d'autres. Ah, Iowa Speedway Rallycross, je ne te connais pas du tout. Normalement, il y en a d'autres encore, et je ne sais pas où ils sont. Rallycross, le Phoenix International Raceway Rallycross, ok. Et normalement, il y en a encore un. Un, moins que je l'ai raté. Je le vois pas. Le dernier, à moins que je sois aveugle. Je sais pas où il est passé. Je sais pas où il est passé. Ah voilà, Phoenix. Sur Phoenix. Voilà, c'est ça. Eh ben, tu sais quoi? Avant d'aller... Voilà, on va tester Iowa. On va aller tester Iowa Rallycross. Voilà, il est là. Je vais vérifier en parallèle que les serveurs de iRacing. Ah, bah si iRacing est joignable. Ouais, autant passer par là. En plus, il y a du rallycross. Oh là là, ça peut être sympa ça. Ah ouais, ah ouais. Bon, on va aller tester quand même pour finir ça. Et ensuite, on va aller sur une session avec les autres
pour un peu délirer. Alors, pour info, merci en tout cas, Denis. Merci, Benji, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Le SR va pas prendre 32 coups parce que c'est une nouvelle licence sur iRacing. Comme vous pouvez le voir ici, on a 4 licences maintenant. On a la licence Rallycross, on a la licence Road, la licence Oval et la licence Dirt en Oval. Donc voilà, il y a de quoi faire. Ouais, c'est ça. Il y a 4 licences comme ils l'ont promis. Donc là, on a quoi là? La Fiesta sur Daytona Circa. On va aller quand même, avant de se lancer dans l'arène, tester le circuit de Iowa Speedway. Voilà. On va aller tester un petit peu la New Beetle sur l'Iowa Speedway. Allez, j'y retourne et je réponds à vos questions ou commentaires juste après, les copains. Alors, m'en voulez pas si ma qualité de conduite n'est pas au rendez-vous. Hein, je découvre tout simplement les voitures et les circuits. Alors, il est où? Ah, il est là. D'accord, ok. Oh là là, il a l'air un peu plus technique que Daytona, celui-là. Oh, ouais, il y a une belle épingle là. Elle est où la bosse? Je cherche la bosse. Elle est où la bosse? Eh ben, vous savez quoi? Je ne sais pas où elle est. Ah, là-bas peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, elle est là-bas la bosse. Allez, on y va. Et là, on se retrouve dans la New Beetle. Là, par contre, j'ai pas paramétré le pédalier sur la New Beetle. Le pédalier sur la New Beetle. Ah si. Si, il est paramétré. Je sais plus, je croyais que je l'avais pas paramétré. Hop. Ok, il me semblait que j'avais pas paramétré. Donc là, on est bien. Pas d'aide à la conduite, rien du tout, c'est tout bon. Eh ben ma foi, on va y aller. Allons-y gaiement et sûrement. Je sais pas où c'est. Ah ok. C'est où? Ah, on prend pas de SR. Hein. C'est où? C'est là. Voilà. Ok, c'est moi qui ai merdé. Ah bah bravo. Eh ben c'était pas par là. Je sais pas où c'était. C'est par où? Pourtant, il me semblait bien que c'était par là. Hein. Merde alors. Ça devait être par là. Ouais, c'était par là. Là, il y a le bonus. Tour Joker, mais alors il m'envoie où? Ah, il fait rentrer fort, hein. Oh la vache, c'est là, ouais. Waouh! C'est vraiment compliqué, hein. Yeah.
43 points. Il va falloir mémoriser tous ces nouveaux circuits. Ah là on tape, allez ouais. Allez là, car contact à 0x. Là où il est un peu plus méchant. Là où il est donc plus méchant. 34.954. C'est si on perd le contrôle de sa voiture. Là, ah putain, j'ai fait le con, j'ai freiné le pied gauche. Bon, en tout cas, c'est plaisant. Attendez, je vais... J'ai tendance à dire que je préfère la... La New Beetle. Ah, attendez, on va se faire... En tout cas, c'est vraiment sympathique, ces conneries. Ok, on va se regarder. Allez, boum, la New Beetle. Ouais, j'aime bien la New Beetle, je sais pas pourquoi. J'aime bien cette petite New Beetle. Oh, je l'ai détruite la bagnole, putain. Alors pour l'instant, dans cette catégorie globale, oh, ça part. Hein. Allez, vous savez quoi? On va aller direct voir encore les deux autres petits circuits que je voulais voir à la gueule des circuits. Hop. Alors, les deux autres circuits qui restent. Hop, hop. Donc tout à l'heure, j'espère que ça t'a aidé pour voir là où était la Ford. En tout cas, on va aller prendre. On va prendre quoi? La Ford de nouveau. Oui, on va prendre le circuit. Donc là, on était sur quoi? Sur Phoenix, je crois. Merde, je sais plus. On était où? Bref. Je crois qu'on était sur Iowa. Non, c'était Phoenix. C'était Phoenix. Enfin, je crois. Hein. Merde, je sais plus. De mémoire avec. Merde, je sais plus quel circuit je vous ai montré. Si on a été voir Iowa ou Phoenix. Merde, quel clown! Décidément, ça c'est mon point fort, le côté clown. Est-ce qu'il en restait un en bas? Je sais plus. Rallycross, je vois pas. Je vois pas. Non. Bon, de toute façon, les circuits se ressemblent. Hein.
Le circuit se ressemble avec la petite bosse au milieu. Donc ce que je vais faire, voilà, ah, puisque ça fonctionne, on va aller pour le fun, voir ce que ça peut donner en practice. par contre, en practice, il reste un peu de temps. Ouais, celui-là, il me semble correct. Ouais, celui-là, il me semble correct. On va aller voir ce que ça peut donner en practice, cette connerie. On va prendre quoi? Ouais, la Nubitel, hein. Allez, soyons fous. On va prendre la Nubitel. J'ai bien pris... Allez, merde. Alors, pourquoi je suis rejeté? Ah, la session est pleine. Ok. Je m'en doutais. De toute façon, là, maintenant, vous allez voir sur Racing, tout le monde va faire du rallycross. Ça, c'est sûr. Oh, il y a forcément 297 personnes sur le rallycross. C'est un truc de fou. On va s'en prendre une autre petite session. Et ça risque d'envoyer sévèrement cette petite connerie en rallycross. Alors, en practice, là ils sont 14 sur 14, tiens là ils sont 6 sur 14. Ah putain, il y a du monde partout. Hein. Oh, on va les prendre celui où j'étais 6 sur 14, on va essayer de le retrouver. Oh là là, celui-là, un serveur australien, nouveau-zélandais. Allez, on y va. Et on va voir ce que ça donne à plusieurs, cette petite bestiole. Voir un peu comment ça se comporte. Alors, pour ceux qui rejoignent, hein, découverte du rallycross sur iRacing avec ma jambe en vrac et en VR. En tout cas, en VR, c'est super sympa. Hein. C'est super sympa avec la bosse là. Enfin, la même sensation que Dirt Rally hein, quand on décolle et tout. Le force feedback est très bon. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de tester les bagnoles de rallycross. On en parlait d'ailleurs avec un collègue que je salue. Salut à toi, Bastien. On en parlait tout à l'heure qu'on trouvait le force feedback un peu mou. Et ben là, je peux vous dire que en version rallycross avec les bonnes pistes, ben ça va venir là. Les voitures sont très légères, donc beaucoup de chevaux sur des voitures légères. Ben voilà ce que ça donne. Ça me donnait un mauvais force feedback. D'ailleurs, j'espère que toi aussi, Bastien, maintenant, le force feedback est 10 fois mieux. Voilà ce que je voulais dire en aparté. En tout cas, foncez les gars, hein, c'est un pur plaisir. Je crois que je vais passer du temps en rallycross. On va bien rigoler. Ça va être bien sympa. Tic. Tiens, on va aller voir si nos collègues sont dans les parages après. Alors. Allons-y. Allons-y, allons-y. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans la session. Hello everybody. On dit bonjour, on est poli. Putain. Oh là, on est bien. Là, ça tourne en 42, il y a déjà des mecs qui tournent fort. Ah, Takumi Yamazaki, je connais lui. Car on your right. Still there? Hold your line. Oh. Clear on the right. Il est où lui? Oh ah, le frama marche bien. Ah, tirer trop fort. Voilà, car contact zéro.
Y'a pas que moi qui galère. Alors, on va recommencer. Ah, je suis pas du tout dedans. Par contre, non, 90 FPS constant, ça va. Allez, on va recommencer. Oh non! Oh! Abusé! Oh là là, le pro de la connerie, c'est moi. Hein. Bon, c'est pas au top hein, ce que je vous montre pour l'instant. Comment je suis parti en couille là? Ah ouais, ah ouais, ouais. Bon, bah le boudin. Les tonneaux, excellent. Ah, génial. Allez, on y retourne. Oh, le boudin là, faut s'en méfier donc. Oh là 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 là, je galère. Je galère. Allez, on recommence. Par contre, zéro contact. Hein. Ce qui me chiffonne un peu, c'est d'habitude, j'ai le L qui est en vert, et là, il est en rouge. Ah, oh là là, j'ai rien touché. We have a car stopped on the right. 49.547. Il est où le Joker? Il est un peu plus loin, je crois. Il est là. Oh, il y en a un qui a viré le boudin. We have a car stopped on the right. Thank you.
49.022. Oh là, oh là, on passe entre les deux. Non, oh putain. Oh. Ah ouais, là j'ai cassé la voiture. Oh la vache. Non, 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 je voulais pas quitter. Ah ouais, un slowdown de... Oh la vache, 36 secondes. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, on va revenir. Ah, j'ai explosé la bagnole là. Ah oui. Ah, casser la voiture. Allez, on y retourne. Vraiment pas facile. Vraiment pas évident. Ce tournant là est vraiment dur. Il faut passer les rapports très très tôt. Très vite. Oh la vache. Allez, le boudin là, il est pour moi. Oh, it's so funny, guys, it's so funny. Got a slow car on the left. Et ouais, là, ça va pas du tout. C'est dur. C'est vraiment dur. Une discipline à part. Je sais pas ce que vous en pensez. On va regarder ce que vous en pensez, parfois. Ouais, merci à toi, Francis. Merci beaucoup. Je galère dans ce live découverte. Comme vous pouvez le voir, je galère sévère. C'est vraiment pas évident. J'aurais tendance à dire que la Ford était un peu plus facile. On va retenter la Ford, tiens. La Ford sur Daytona. On va prendre la Ford, ça on s'en fout. Withdraw, yes. Et on va terminer un petit peu avec la Ford, tiens, soyons fous. Donc on a dit quoi? Allez, dépêche-toi. On va retourner sur le même, tiens, ils sont 13 sur 14, 40 minutes. On va prendre ce serveur. Merde, j'ai pas fait gaffe. Il y a du monde. Les collègues sont là. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Tout le monde est sûr de l'open practice. C'est bon. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, il y va. Oh là là, incroyable. Merde. Allez. Alors, ouais, tout le monde il est là. Allez, on va rejoindre cette session en open practice. En tout cas, c'est très agréable, c'est bien rigolo. Ça va donner en multi, moi je vous le dis, ça va être folklorique. Déjà là, comme ça en practice, c'est tendu. Ça y est, je m'arrête en transmission qui bug. Je vois rien. Je vois rien de ce que je fais, je vois rien de ce que je parle. Alors,
On retente cette fois-ci avec la Ford sur Daytona Circa. Hop, merde. Ah là là. Allez, hop, on y va. On y retourne. Une petite dernière session. Allez, on est parti. Mon kiki. Avec les noms, sûr qu'il y a pas mal de Finlandais. Ah, mais entendre ces bruits-là. Oh, joli lui, hein. Merde. Il est où? Il y en a qui vont arriver sur la bosse? Non. Ah, là, sur la bosse, ah, je suis bien placé en plus. Vroom. Et c'est planté. Ah, les bruits sont top. Oh là là. Allez, on y va. On y va, on y va. On rejoint la compagnie. Eh ben décidément, ça va pas être gagné. Je vais modifier un truc. Je vais modifier un truc qui me chiffonne depuis tout à l'heure. Non. Mais quel con, j'ai repris la Nubitel. Ah là 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 là. Bon, on va quitter. On va y arriver les copains. On va y arriver. On va quitter vite fait. Désolé, je me suis trompé de bagnole. Je voulais prendre la Ford et je sais pas pourquoi. J'ai pris la Nubitel, donc désolé. Désolé les copains, je voulais vous montrer la Ford. Une dernière fois, donc on va montrer la Ford. Ah mais oui, mais quel imbécile! Je sais pourquoi. Eh, je sais pourquoi. Eh oui, quand on est con les copains. Hein? Regardez pourquoi. J'ai coupé mon billet de l'acheter. Bah elle est où la Ford? Bah je suis aveugle ou quoi? Mais je suis aveugle. Non mais attendez, c'est une blague. Ah. Du coup, on va prendre ça. Qu'est-ce qui manquait la dernière fois? Bah bien, on fait les achats en même temps. Un clac, clac, je sais plus. Il me semble qu'il me manquait quelque chose. Voilà, ça. Ça. Qu'est-ce que je vais prendre que tu bowling. Bon, on va prendre trois achats. Il n'y a pas des gros circuits là. Allez, j'ai presque tout là en aval. Ça me fait chier. Bon, on va prendre celui-là. Ça fait trois. Voilà, trois achats. Je fais toujours les achats par trois parce que c'est ce qui revient le moins cher. 1, 2, 3. Allez, procéder. Oui, finish. Allez, hop. De toute façon, je les ai déjà. Alors, qu'est-ce qu'il veut là? Oui, forcément, les circuits. Select all. Ok, ça va aller très très vite avec la fibre. Oui. Allez, 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 mon coco. Que je montre un peu aux copains ce qui est bien. Ce qui est bien, donc, les joies du live. J'étais persuadé de les avoir déjà prises. Et je les ai pas prises. Donc bien, j'avais pas pris la Ford. Qui est payante. Allez, ça se termine, ça se termine. Hop, hop, hop. Et c'est fini. Donne. Merci. Allez, Coco. Voilà. La Fiesta. Ok. Ça, on s'en fout. Et comme ça, on va pouvoir y aller avec la Ford Fiesta. Sur Daytona. Allez, on va prendre celle-là, là. Ah, on va prendre celle-là.
La livrée, tout ça, on verra après. On va prendre ce serveur-là. Mais avec la France Fiesta. Ouais, en practice. Bon, très très bonne surprise. C'était long, mais on a bien fait d'attendre. Ah bah ça y est, encore un serveur qui est plein. Ça c'est fait. On va y arriver. On va y arriver. Allez, cocotte. Peut dire que il se sera fait attendre. Bon, on va prendre le suivant. Hein. En espérant être assez. Oui. Oh là là, toujours. Les sessions qui sont pleines. Mais quel merdier! Oh là là, on va prendre une où il n'y a vraiment pas grand monde. Tant pis. On va bien en trouver une où il n'y a pas trop de monde. Voilà, 7 sur 14. Allez, on y va. Avec la Force Fiesta. WRC. Voilà, là c'est mieux. Ça va aller beaucoup plus facilement comme ça. Allez hop, on y va avec la Ford sur Daytona. C'est parti, mon kiki. Ouais, copain, donc j'avais envie de faire un live comme ça, découverte à l'arrache, sans aucune préparation. Si c'est nul, c'est nul. Si c'est bien, c'est bien. Voilà. En tout cas, le ressenti, le force feedback est vachement bien. Les pistes sont bien sympathiques, même si elles se ressemblent toutes un peu. Elles ont quand même chacune quelques spécificités qui sont agréables, notamment sur Daytona, la fameuse jonction, sur Phoenix, le fait d'aller sur le virage relevé et de revenir en piste. Hello everybody, time to have fun. Voilà. Oh, hello, hello Philippe, comment il va, monsieur Chauvin? Ça faisait longtemps. Ah, ça fait longtemps, mais là, faut tout réapprendre le métier à la base. Voilà, on rencontre des collègues en plus. Ah ouais, c'est tendu, hein, mais qu'est-ce que c'est fun? Ah, c'est très fun. Et la course, ça va être chaud. Je vais regarder ça en gosse. Ouais, moi aussi, je pense que je vais faire une course en hausse parce que on va pas bousiller sa licence d'entrée de jeu, quoi. Allez, c'est parti. Je vais choper sous pas. We have a slow car on the right. We have a car stopped on the right. We got a slow car up ahead. Toi aussi, Philippe, frein à main? Là, j'ai mis sur un bouton. Je l'ai programmé sur un bouton. Ouais, bien entendu, Philippe, bien entendu. En tout cas, tu m'as été ému, tu passes sur mon live. We have a car stopped on the right. 1 minute, 2.666. Alors, je parlais de cette jonction-là. Got a
Low car on the left. We have a car stopped on the right. All clear, all clear. 45.284. Et ça tape, et merde. You're going the wrong way. Go right. Ah, c'est trop. Ah, si, ça passe. Oh, oh, c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment chaud, les copains, hein. They say you cut the course. You have to slow down and give up the time gain. We have a car stopped on the right. 45.97. Vraiment. We have a car stopped on the left. We've got a slow car on the left. We've got a slow car. Ah, le boudin, il est pour moi. Ça oui, force de contact, ça oui. Je crois que le sourire. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, Philippe, ciao, ciao. You got about 5 laps. 59.043. We have a car stopped on the west. We have a car stopped on the west. Go right. Oh là, c'est vraiment... Car on your right. All clear, all clear. Oh là là, d'accord, allez! You got one on your right. All clear, all clear. Sorry. 49.305. No problem, Michael, no problem. Alors lui, il m'a bien harponné. Ah ouais, ouais. Je me suis fait défoncer par le mec. Allez, on va faire une petite dernière. Putain. Oh, c'est tendu, hein. C'est vraiment très très difficile. Ah la vacherie! Oh quelle vidéo de merde je vous fais! La pire vidéo sur iRacing! Ah la vache. Bon, on va réussir à vous faire un tour complet pour quitter cette station. Allez, une dernière fois. You can turn the white again. Brilliant. Got a car stopped ahead. Et il va pas, si. Five,
Non! Ah, ce boudin il est méchant, hein! Ce boudin il est méchant! Bon, ouais, les copains, c'était pour vous montrer un peu ce délire qu'est le mode Dirt, le mode Dirt, le mode Rallycross, pardon. Et je peux vous dire que c'est sportif de chez sportif. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Il va falloir beaucoup, beaucoup travailler. Steam, ok, on s'en fout, enfin, on s'en fout pas, c'est un collègue, mais on va pas le rejoindre maintenant. On va quitter cette session. Ouah, il fait chaud. Il fait chaud. Alors. Et pour finir. En tout cas, c'est super sympa là, au niveau du rallycross. Salut Florian, bienvenue à toi. Il y a un truc que je voulais vous montrer qui est juste fantastique. Ils en ont parlé aussi depuis un bon moment. Et après, je vais arrêter parce que je commence. C'est quoi là? Ouais, nickel. Allez, je vais vous montrer. Ah oui, j'ai pas fait Vudro. Je vais vous montrer un dernier petit truc qui est vraiment sympa. Qui est vraiment super sympa. Avant de voir ça, je voudrais voir vite fait là sur le profile comment ça se dessine. Bon, il y a 4 licences, hein, donc ça veut tout dire en soi. C'est pas sorcier. Hop, donc voilà, donc là forcément, donc là, ah putain, ce câble, faut que je le fixe un de ces quatre une bonne fois pour toutes, qui me casse pas les couilles. Voilà. Voilà. Donc la licence Dirt Oval, ok. La licence Road, ok. Et la licence Oval. Alors en Oval, je suis une brêle. Ok. Allez, donc 4 classes et tout maintenant, bien distinctes. Et ça va être long de monter, ça va être long. En rallycross, ça va être très très long pour monter. C'est sûr et certain. Voilà, en tout cas, je voulais vous montrer un petit truc qui est super sympa. C'est l'animation des pits, pour l'instant en NASCAR. Mais qui est vraiment, vraiment fabuleuse. Alors, en VR, c'est juste kiffant. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont pas vu. C'est vraiment super bien réalisé. Et puis après, une fois les copains, je vais vous laisser. Hop, qu'est-ce qu'il y a, mon poteau? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mon Bastien. C'est le top, le rallycross. Mais c'est dur, hein. Voilà, on va rentrer dans la session. C'est un petit... C'est un petit oval, en plus. Je réponds à un collègue en même temps. Alors, on va y aller et on va faire juste un tour pour montrer l'animation des pit crew sur les racing, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et honnêtement, je n'ai vu des animations pit crew, mais alors celle-là, elle est top. Elle est top, vous allez voir. Elle est vraiment au top. Alors c'est plus du Dirt Rally, enfin du Dirt Rally, bon, je suis fatigué moi. C'est plus du Rallycross ni rien. Mais sachant que ça va venir sur l'ensemble des pit crew, donc des arrêts au stand sur iRacing, eh ben ça va être top. Ça va être vraiment top. Quand il veut le New Hampshire. Ouais, allez. On y va. Devrait être fini de charger. Alors, j'espère que.
Allez. Et vous allez voir l'animation des... du pit crew. Sans que je suis pas si ça va. Donc je vais faire juste un tour. Parce que je sais même pas où est l'entrée des stands. Je sais plus sur celui-là. Elle était là. Elle doit être là, non? Non, après. J'espère que je gêne personne. Et honnêtement... Oh putain, je sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Ouais, vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe. C'est juste fabuleux. Ah voilà, là. Je suis dans le vert. Partout, ça me plaît bien. Je sais pas où est mon... Ah, ils sont là-bas. Ah, ils sont là, mes gaillards, regardez. Regardez, c'est pas top ça. Eh, merde. Eh, le bruit et tout. L'essence, les pneus. Ah, c'est top. That's it, go. Ah, attendez, faut qu'on voit ça en caméra extérieure. Allez, on va regarder ça en caméra extérieure. Et je pense que ça vaut le coup d'œil. Ah, ils sont en train de réparer. On va se mettre en caméra de chaise. Voilà, on va reculer un peu. Et regardez-moi ce pit crew. Franchement, les gars. Oh, c'est top. Bon, ça, c'est un peu mal fait, mais on s'en fout. Ah non, non. Oh, ça, il faut le voir comme ça, je pense. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, attendez. Ah, c'est comme ça qu'il faut le voir. En se mettant un peu à l'extérieur. Voilà, les mecs, ils sont là-haut. Ah, c'est génial. Ah, c'est... Bon, ils visent pas bien les vis, mais... Oh, putain. Attendez. Ah, on est sur pause, on va se le refaire encore avec la... Non, je veux la gauche. Elle est où la gauche? Voilà, avec l'essence et tout. On est bien là, on est avec le pit, on est à genoux. Oh putain, oh, ça c'est top. Ah ouais, il y a l'autre aussi là. Merde, j'ai pas vu celui-là. Alors ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, lui, faut qu'il apprenne à viser l'essence. Il vise mal. Mais l'idée est là. Alors, les pneus. Ah, regardez. Ah non, mais... Oh, c'est top. Et si ça, c'est pas génial... Voilà. Voilà, les copains. Allez, sur ces belles images, on sort. Ah. C'est ce que je voulais vous montrer. L'animation des pit crew est juste devenue fantastique. Ah, on s'éclate comme ça, on fait comme on peut. Voilà, donc c'était un petit truc un peu à l'arrache. Vite fait, bien fait. Comme je dis. Allez, Alexandre Pernin, pour toi. On va relancer une petite session rallycross, mais une petite dernière. Parce qu'après, quelle heure il est? 19h40, j'ai faim moi. Allez, on va faire un petit dernier rallycross. On va faire un petit dernier rallycross. Mais vraiment un dernier, hein. Après j'arrête. Hein. Parce que je vous aime les copains. Qu'est-ce qu'on va se faire? Donc on retourne. On retourne là. Allez là, il y a du monde. Je vais pouvoir rentrer dans la session avec la Ford Fiesta. WRC RS. RS WRC quoi. Ah. Allez, on est bon, on rejoint la session. Et je vais en chier. Je vais en chier parce que c'est dur. C'est vraiment dur.
Ouais. Et après celle-là, ça va être brûlé les petits. On va aller se reposer dans le canapé, on va manger. En plus, ce soir, c'est potage maison, ça va claquer comme pas permis. Quelle heure? 19h41, Alexandre? Non, Alexandre, il n'y a pas de micro-ondes ici. C'est mes mères qui est derrière la cuisinière, le four à bois et tout. Non, pas de soucis, Alexandre. Ma femme était au courant que je faisais un petit live. Donc voilà quoi. Un peu de rigolade. Un peu de rigolade. Rigolade, là, dis-donc. merde. Là, je suis pas dessus. Je suis en. Ok, allez. Donc j'ai pris la Ford Fiesta. Merde, la Focus, la Fiesta, ouais. Oh là là, je suis fatigué. En plus, c'est marqué Fiesta RS. Allez. Et je vais tuer une brêle. Enfin, allez, on va essayer de conduire un peu plus souple que tout à l'heure. Ah voilà, il y a un truc que je voulais changer. Parce que comme je ne peux pas freiner du pied gauche. Il faut que je triche sur un truc, l'autoblip. Même si je suis. Ah oui, mais je suis en séquentiel, bon, c'est pas grave. Je laisse l'autoblip parce que sinon, si je repasse après sur une autre bagnole. Ah la bosse, la bosse, oh, on touche à rien. Pas. You're going the wrong way. Ouais, on sait. Tournoi le plus difficile. Ah là là, ah là là, ah, ça tape. Allez, on recommence. Ah, c'est dur, mais c'est vraiment sympa, hein. Ah, on a été trop gourmand là. Allez, on recommence. Ah ouais, la voiture, alors on l'a plus cassée. Hein.
très compliqué par moment. Bien trop gourmand là. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gain. Ce tournant-là, purée, je le maudis. You're going the wrong way. Oh oh oh! Sorry, Andrea, sorry. Je négocie vraiment mal 2-3 tournants encore. Ah bah lui aussi, tiens. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gain. Ah là 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 là. Catastrophique. Ah là là, le freinage après le saut. Et encore raté. Qu'est-ce que c'est dur. Mais c'est super. Je râle, mais... Ah ouais, d'accord, ok, la bosse a fait que tout à l'heure j'ai cassé la direction et je m'en suis pas rendu compte.
Allez, une petite dernière. Et après, les amis, je vais arrêter. We have a car stopped on the left. We have a car stopped on the left. Go right. C'est ici que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Non, 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 non. Putain. Très très délicat ici. Car on your right. All clear, all clear. Oh, c'est fun. Allez, on va s'arrêter là. Waouh, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. En tout cas, c'est... Ah ouais, la gueule de la voiture. Alors, on va pas être gagné, mais en tout cas, voilà, ils sont très très tolérants au niveau des licences. Enfin, ça, c'est une bonne chose. On va voir comment ça se comporte en course, parce que... Il va y avoir un paquet de contacts quand même. Donc, voilà, les copains. Voilà. Allez, ah, sur ce, on retrouve la lumière du jour. Waouh. Ouais, Alexandre, c'est carrément délirant. Ouais, on va aller manger. BSR, bienvenue à toi et à bientôt, parce que je vais partir. Donc voilà les copains, c'était un petit live improvisé, complètement à l'arrache, dans des conditions farfelues comme d'habitude avec moi, comme vous le savez pour ceux qui regardent. En tout cas, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Après, dislikez aussi. Voilà, bon, vous avez le droit de disliker, c'est normal. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, likez. Puis surtout, commentez. Commentez parce que tous les commentaires sont constructifs. Même les commentaires négatifs. Voilà. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Bon, en tout cas, faites-vous plaisir pour ceux qui ne l'ont pas fait encore avec. Comment ça s'appelle? Avec le mode. Enfin, le mode. Avec l'extension Rallycross sur Racing. Parce qu'à mon avis, ça va emmener des courses palpitantes. Donc 6577 RSR en ligne, c'est pour vous dire, ça attire du monde le rallycross, c'est vraiment super exaltant, super exaltant pardon. Donc voilà les copains, voilà. Ah ouais tiens, il y a une semaine 13 en rallycross, j'avais pas vu ça. Je viens de voir ça chez un copain. Alors, elle est où? Ah ouais. Ah ouais, et ouais, et j'avais pas vu ça du tout. Ouais, semaine 13 en rallycross, mais par contre, faut pas que ça tombe sur. Oh, quoique, on s'en fout, de toute façon, c'est la nouvelle licence, donc. Ouais, ça serait sympa de faire une course comme ça. En tout cas, j'aurai l'occasion de vous en présenter une le plus vite possible, les copains. Voilà. Donc comme dit, si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, copains. Ciao, bonne soirée, à plus tard. Ciao. Et merci d'avoir regardé le clown que je suis. Ciao.